Saint-Jacques grillé, salsifis au jus de pomme, chutney. On fait le chutney. À côté de ça, on va faire une gastrique, donc c'est un mélange de vinaigre et de sucre roux qu'on va caraméliser et à la fin, on va tout mélanger ensemble. Voilà. Donc, le caramel qu'on va mélanger ensemble. Hein. Donc là, hop, on incorpore tout ça. Normalement, on va être arrivé à un point où ça va être presque compoté. On va tout mélanger, puis on finit la cuisson, on l'ajuste, on assaisonne. Et après, cette étape-là est finie. À macérer dans un petit peu de calvados blanc. Le salsifis est bien doré, bien caramélisé. Là. Donc on a cuit le salsifis dans un jus de pomme, avec un petit peu de jus de volaille. Pour donner l'acidité, pour garder la couleur du salsifis. Ensuite, on l'a passé au beurre avec de la croûte de pain. Donc on a fait le chutney à base oignon, ail, gingembre, avec un petit peu de vinaigre et de sucre, la pomme. Et donc la sauce, on a récupéré le jus de cuisson des salsifis qu'on a fait réduire et qu'on a crémé. Et de là, nous avons cuit les Saint-Jacques, posé sur le chutney avec le salsifis passé au beurre avec un petit peu de croûte de pain. Donc on a toute la pomme qui est toute... Les Saint-Jacques ont été marinés dans du calvados blanc. On a la pomme qui est présente dans chaque ingrédient, mais qui n'est pas là pour transgresser chaque élément.